J'aimerais bien, comme maintenant il commence à faire beau, peut-être, je Un sais petit pas, un haut. petit gilet, une petite veste. Depuis le 19 mai, les commerces dits non essentiels ont réouvert. C'est le cas d'ailleurs de nombreuses boutiques rombasiennes. Après des mois de click and collect, c'est un retour à la normale et un grand bol d'air pour les commerçants. Ça fait du bien de voir des gens, des vrais, en chair et en os. Voilà. Parce que même si on a gardé le contact via les réseaux sociaux, c'est pas la même chose. Ça reste du virtuel, donc non, je suis très contente de les revoir. Je suis quand même une génération où je suis pas trop réseaux sociaux, tout ça. Click and collect, j'ai pas vocation à faire du click and collect, sinon j'aurais directement ouvert un site en ligne. Donc l'idée, c'est quand même de voir les gens. Donc c'est pas forcément ce que j'avais envie de faire, mais en tout cas, on va dire que ça permet de tenir en attendant de retrouver son vrai métier sous sa forme initiale. Avec l'arrivée des beaux jours, c'était également l'ouverture des terrasses de restaurants et de bars qui ont dû à nouveau s'adapter pour accueillir les clients. Une petite terrasse pour les gens qui veulent leur plat le midi. Comme ça, ils peuvent s'asseoir pour le manger. Ou même venir manger une petite pâtisserie accompagnée d'un café ou d'un thé. Et là, on vient d'avoir un petit congélateur et on mettra des glaces de la ferme, donc des glaces maison. On va faire chantilly maison et tout ça, et ça fera un peu salon de thé aussi. On a enlevé la moitié des tables, on a mis 10 tables et on les a réparties sur les 3 terrasses. On a respecté les règles de 2 mètres au niveau des tables, des quarts, et on a fait des tables de 4 et 2 tables de 6. Et 2 tables de 6. Voilà. Comme ça, vraiment une distanciation entre les tables et les clients, quoi. Et ben, aujourd'hui, il fait beau et là, je pense que la terrasse sera complète à midi. Ben, il fait meilleur et puis ben, les gens ils étaient impatients. Les gens sont impatients et les commerçants rombasiens ont besoin de retrouver leurs clients. Alors n'hésitez pas à consommer local. Hâte de voir que tous les commerces de Rombarou, parce qu'on en a besoin. Quand on dit que les boutiques de vêtements ne sont pas essentielles, je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer, parce que bien évidemment que c'est important et que les clientes, très souvent, achètent, des vêtements pour se remonter le moral, pour se faire du bien. Pour oublier une journée de frustration, voilà. Donc, bien évidemment qu'on est essentiel. Donc, non, elles sont contentes de revenir et moi, je suis très contente de les revoir. Et sachez qu'en raison des conditions d'accueil, certains bars et restaurants ont décidé d'attendre le 9 juin ou de décaler leur réouverture.